Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Train Simulator 2020. Donc en tout cas vraiment j'espère que vous allez bien, c'est Team Simulation. Alors voilà, aujourd'hui nouvelle vidéo sur ce jeu, le jeu évidemment qui précède Train Simulator 2019 et la série des Train Simulator. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo découverte de Train Simulator 2019, mais également des autres vidéos découvertes sur la série, et également mon let's play que j'ai réalisé sur la chaîne il y a déjà un petit moment, eh bien vous pouvez retrouver en haut à droite une petite fiche cliquable pour regarder tout simplement mes anciennes vidéos, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la série des Train Simulator, mais également l'univers des trains. Voilà, donc ce jeu c'est évidemment le jeu qui précède Train Sim World, voilà, que vous pouvez également retrouver sur la chaîne. Voilà, voilà. Et donc ensemble on va retrouver les différentes nouveautés et également les différents DLC qui sont sortis sur le jeu et peut-être un nouveau menu ou des nouveaux graphismes s'il y en a. Voilà. Alors, donc on va voir ensemble un petit peu le jeu. Donc comme d'habitude, vous avez le menu qui ne change absolument pas par rapport à Train Simulator 2019, c'est toujours la même chose. Voilà, on a ici conduire, profil, construire, académie, Dovotail Live et magasin. Ensuite les paramètres, la communauté et quitter le jeu. Donc on va aller faire un petit tour tout simplement dans les paramètres parce qu'il y a quelques petits trucs qui ont changé. Alors tout d'abord au niveau des graphiques, eh bien vous pouvez voir ici qu'il y a la luminosité, l'intensité de l'éclairage et également l'intensité du soleil. Et ça c'est des nouveautés qui n'étaient pas présentes dans le jeu précédemment. Voilà, alors c'est vraiment des nouveautés minimes, mais elles sont quand même là, donc faut le souligner tout simplement. Voilà. Ensuite il me semble que ici, voilà, ça je sais pas si c'était présent, profondeur de champ caméra, je sais pas si c'était présent avant dans le jeu, peut-être bien, voilà. Mais autrement, par contre, ils n'ont pas rajouté la synchronisation verticale, ce qui est un petit peu dommage parce qu'on aurait aimé, parce que là, le jeu, vous voyez qu'il est à peu près à 500 FPS, bah là, vous le voyez pas directement. Mais là, il est à 500 FPS, je sais pas pourquoi. Et dès qu'on est dans le jeu, il tourne à peu près à 30-40 FPS, des fois il monte à 60, enfin bon, c'est un petit peu le yo-yo. Donc, c'est dommage qu'il n'ait pas intégré justement la synchronisation verticale. Voilà, voilà. Donc, autrement, au niveau du jeu, audio et commande, rien n'a changé, c'est toujours la même chose. Voilà. Donc également au niveau des nouveaux DLC dans le magasin, eh bien écoutez, vous avez des nouvelles locomotives comme d'habitude qui sont arrivées dans le jeu, voilà, hein, je vais pas tous les énumérer. Mais il y en a énormément qui sont sortis depuis l'année dernière. Donc voilà, donc si vous voulez retrouver un petit peu les différents DLC qui sont évidemment toujours très très chers comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc écoutez, on va partir directement dans conduire puisque rien n'a changé, donc on va conduire un train. Donc on va aller dans Quick Drive tout simplement. Voilà, on va prendre le TGV évidemment, parce que je vous avais dit l'année dernière, quand j'avais fait la découverte de Train Simulator 2019, qu'on prendrait le TGV et qu'on serait sur la nouvelle map LGV Rhône-Alpes et Méditerranée. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va prendre un TGV livré Carmillon, je pense, hein, voilà. On va prendre en Nuem, du coup, en double. Voilà. Donc on va se mettre sur la map LGV Rhône-Alpes et Méditerranée. Et comme vous pouvez le voir, il y a des gares qui ont été ajoutées, et également Valence, Lyon-Saint-Exupéry et Lyon-Pardieu. Voilà. Donc on va partir directement, je pense, de Lyon-Pardieu pour aller jusqu'à Valence, voilà, dans cette vidéo. Je sais pas si on fera tout parce que c'est quand même extrêmement long, donc on verra bien. Voilà, ensuite, automne, c'est très bien, on va se mettre comme ceci. Voilà, je pense, on va se mettre 14h, c'est pas mal. Voilà, temps dégagé, c'est très bien. Et comme d'habitude, vu que le temps de chargement, est extrêmement long, eh bien écoutez, je vais faire une petite coupure pour vous éviter ça. Donc, à tout de suite. Donc, nous revoilà les amis dans le jeu. Donc, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Comme vous pouvez le voir, le menu est toujours le même. Donc, on va directement démarrer le train. Donc, on va mettre les phares. On va ouvrir les portes, tout simplement. Voilà, pour que les passagers puissent monter. Pourquoi là, c'est en LGV? Parce que je crois pas que c'est en LGV ici. Donc, on va... Hop, bah c'est en continu, je crois que c'est ça, il me semble. Oui, je crois qu'il faut se mettre en continu. Hop. Voilà. Ensuite, on va se mettre en marche avant. Voilà, ça, on va le faire. Desserrage. Voilà. Comme ceci. Et on va desserrer le frein tranquillement. Voilà, donc on est limité à 60 pour commencer. Vous voyez donc la gare un petit peu de Lyon, du coup, Pardieu. Voilà, donc plutôt bien réalisée, comme vous pouvez le voir. Donc elle est plutôt pas mal faite. Bon, après, il y a quelques petits détails, évidemment, qui manquent. Mais c'est quand même plutôt pas mal, hein. C'est bon, voilà, pour Dovotail, c'est quand même pas mal. Donc on a également, vous voyez, les petites horloges qui ont été rajoutées, etc. Lyon-Pardieu, ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, les repères des voies, etc. Bon, voilà, les différentes voies qui sont ici, on va faire une petite vue aérienne. Voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt quand même pas mal fait. Bon, évidemment, les détails de loin, c'est pas ça encore. Mais voilà, c'est plutôt convenable. Voilà, voilà, le TGV en livrée, Carmillon, évidemment, duplex. Très très joli. En unité double, du coup. Voilà.
très sympa. Donc on va démarrer les amis, donc on va directement accélérer. Hop, pour se mettre à 60. Voilà, on va démarrer tranquillement. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le menu n'a pas du tout changé, il n'y a pas de nouvelles commandes qui sont apparues, etc. Voilà, c'est toujours un petit peu pareil. Et c'est bien dommage parce qu'on aurait aimé quelques petites fonctionnalités supplémentaires. Voilà, voilà. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est quand on fait échappe directement, vous savez, il y a un menu option qui n'était pas vraiment très fourni avant. Voilà, alors ici, on peut directement maintenant régler l'opacité, l'intensité de l'éclairage ambiant, le contraste et également l'intensité du soleil. Voilà, alors c'est vrai que, bon, c'est des fonctionnalités qui sont plutôt pas mal, mais pourquoi directement le menu des options n'a pas toutes les options que l'on retrouve dans le menu principal du jeu? Ça, c'est vraiment dommage, je pense notamment au graphisme qui pourrait directement être baissé depuis ce menu-là. Pareil au niveau du son, on ne peut pas régler le son du jeu directement quand on est in-game, et c'est vraiment dommage parce que du coup on est obligé d'aller sur Windows et de baisser le son, etc. Quand notamment, je pense, les gens qui font des lives sur Train Simulator, etc. C'est très embêtant parce qu'on est obligé de quitter le jeu pour régler le son, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment dommage. Voilà, alors ça n'a pas changé, et je crois que ici c'est toujours pareil. Voilà, voilà, option de caméra, je crois qu'ils ont rajouté quelques trucs. Voilà, un filtre de couleur notamment, vous voyez, on peut choisir un filtre de couleur pour le jeu, je sais pas trop à quoi ça sert, c'est pas vraiment très très utile. Bon, ceux qui aiment bien par exemple jouer en noir et blanc, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, pourquoi pas. Filtre d'effet d'écran, si on peut régler, vous voyez, un petit peu les bords. Alors je sais pas si vous le verrez bien la capture, voilà. Donc un peu, ça fait un petit peu comme les vieilles télé. Voilà, normal, du bruit, donc voilà, également. Bon. Pourquoi pas. Donc nous on va remettre en normal. Et vignette, donc vous avez grand, moyenne et petit. Alors je sais pas du tout à quoi ça correspond, je crois que c'est par rapport au bord, là, les ombres, etc. Voilà, donc nous on va mettre inactif. Et également ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous pouvez directement régler le champ de vision du jeu. Enfin en tout cas le champ de vision du conducteur. Donc c'est vraiment pas mal parce que du coup ça nous permet de régler très finement, voilà, le champ de vision. Donc nous on va mettre tout par défaut. Voilà, on va laisser comme c'était. Voilà, donc je trouve ça vraiment pas mal parce que du coup, c'est vrai que sur le TGV par exemple, il y en a qui aiment bien avoir une vue un petit peu plus élargie. Et donc là, c'est plutôt bien parce qu'on peut le faire directement dans le menu des options. Voilà. Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est l'audio du jeu directement qu'on ne peut pas régler encore directement quand on est en train de conduire. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, contrairement à Train Sim World qui a cette option présente. Voilà. Donc en tout cas, nouvelle map plutôt vraiment très sympathique. Vous voyez qu'on a avec le TGV, donc par contre, on va ralentir. Voilà. Alors j'espère que le jeu sera pas trop fort, je l'ai peut-être mis un petit peu trop fort. On verra bien, de toute façon je baisserai au montage s'il y a besoin. Voilà, hop, on va rester à 60. Voilà, voilà. En tout cas le TGV est vraiment très sympa, donc il a pas changé, hein. C'est toujours le même par rapport aux anciennes vidéos, voilà. Jusque là du coup les graphismes sont meilleurs, puisqu'évidemment je suis en graphisme élevé. Voilà. Alors par contre l'optimisation de la map, c'est pas encore ça, hein. Là on est aux alentours de 25 FPS. Alors que j'ai quand même une GTX 1060. Voilà, donc l'optimisation encore un petit peu dommage. Notamment quand on est aux abords des grandes gares comme Lyon-Pardieu, où il y a justement beaucoup de détails, etc. Avec pas mal de textures. Eh bien, c'est dommage parce que le jeu n'est pas du tout à 60 FPS. Il est toujours aux alentours de 30. Voilà. Et c'est dès qu'on commence à quitter la gare que les FPS s'améliorent un petit peu. Voilà. Voilà, donc là on est toujours limité à 60. Voilà, voilà, hop. On va freiner un petit peu. Alors ce qui est bien sur ce jeu par contre, c'est que du coup, vu que la nouvelle map est sortie, eh bien il y a pas mal de modes directement qui sont présents maintenant pour cette map. Donc notamment je crois des scénarios avec des TER, etc. avec des locomotives comme des bébés, voilà. Donc c'est plutôt vraiment sympa. Donc allez voir évidemment sur le site de railsim.fr, je vous mettrai évidemment le lien dans la description. Voilà, si vous voulez faire un petit tour pour découvrir des modes qui sont gratuits ou vous n'auriez pas besoin de payer des DLC, etc. Voilà, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Donc là, on est bientôt limité à 80. On voit qu'on a quand même une zone limitée. Oula, on va faire attention parce que là, on est en excès de vitesse. Donc vous voyez que la gare de Valence TGV n'est pas à côté, donc elle est quand même à 100 km. Je crois que la map rajoute à peu près 200 km de voies supplémentaires. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Alors là, il faut savoir que je l'ai acheté à peu près à une dizaine d'euros, je crois. Donc qui était en promotion. Voilà, voilà. Directement sur le site de l'éditeur. Voilà, sur le site de Dovotel Games. Directement. Là on est encore limite à 60. Je pensais que on allait être plus. Par contre on va freiner un petit peu. Alors, sinon on va dépasser.
Voilà, donc sur le site de l'éditeur, il était directement, le DLC était moins cher que sur Steam, donc c'était plutôt avantageux. Je crois qu'on économisait à peu près 5-6 euros, donc c'est quand même pas mal. Donc je l'ai pris directement sur ce site là plutôt que sur Steam. Donc après c'était une clé d'activation directement qu'il fallait entrer, voilà. Alors ici je voulais vous signaler, ici au niveau du tunnel, ce que je trouve un petit peu bizarre c'est que là il n'y a plus directement de caténaire. En fait la caténaire ne passe pas en dessous et elle reprend juste ici. Alors je sais pas si dans la vraie vie c'est comme ça, je ne pense pas hein, évidemment. Mais ça c'est un détail, si vraiment c'est la caténaire passe sous le tunnel dans la vraie vie, je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas intégré. Hein. Des fois les détails dans ce jeu sont un petit peu mal faits. Voilà. Et là on est toujours à 30 fps, je m'excuse évidemment pour les lags du jeu, hein. C'est pas du tout dû à mon PC, c'est dû à la très mauvaise optimisation. Voilà, comme d'habitude. Voilà, voilà. Donc en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Voilà, je tenais également à vous remercier, parce que là on est presque à 800 abonnés, donc merci beaucoup à vous, ça fait très très plaisir. Voilà, donc pour tous vos soutiens, tous vos commentaires, etc. que vous mettez sur les vidéos. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça. Voilà, voilà, donc je vais essayer d'être plus présent sur YouTube, même si c'est pas évident parce que je fais des études à côté, etc. Donc veuillez m'en excuser. Voilà. Donc là on va bientôt être limité à 100. Alors je vais vous montrer un petit peu sur la carte dans ce que ça donne. Donc ici on a directement la gare de Lyon-Pardieu. Donc voilà, on a toutes les voies, donc plutôt pas mal faites. Avec ici voilà, les différentes voies, voilà. Plutôt pas mal. Ici je vois que c'est la gare de Lyon-Saint-Exupéry. Non pas du tout. C'est la gare de Vénissieux ça. Donc la gare de Lyon-Saint-Exupéry, elle est ici, voilà. Je dis n'importe quoi. Non, ça c'est toujours Lyon-Pardieu. Lyon-Saint-Exupéry, je sais plus du tout où c'est. C'est quelque part, mais je saurais pas où dire. Voilà, parce que normalement il y a les gares de Lyon-Pardieu qui est pas très très loin. Donc ça c'est pas là, donc ça doit être un petit peu plus haut. Ici on a quoi? Donc Lyon-Pardieu, toujours. Lyon-Guillotière, ok. Du coup pourquoi on n'a pas la gare de Lyon-Pardieu? Je suis en train de la chercher. Si, ça c'est la gare de Lyon-Saint-Exupéry, pardon. J'arrive pas à la trouver. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je sais pas du tout où qu'elle est. Voilà, bref. Donc on va retourner directement. Hop, on va accélérer un petit peu. Parce que là on va être limité à 110. On va allumer par contre la lumière en cabine. Hop, voilà. Comme ça si on passe dans des tunnels, etc. on sera pas embêté. Voilà, donc là on va être limité à 120. Hop, voilà. Alors il faut savoir qu'il y a également un pack disponible de DLC supplémentaires de TGV Atlantique notamment, et également de TGV Réseau qui est disponible pour ce jeu. Le problème c'est que je ne l'ai pas pris parce que je trouve que les TGV Réseau qui ont été modélisés par Dovetail Games, alors certes ils sont plutôt bien faits, mais par contre au niveau tout simplement directement du, comment ça s'appelle, des sons du jeu, enfin en tout cas des sons du train, c'est vraiment très mal fait parce qu'en fait le son c'est un copier-coller du TGV Duplex. Et ça c'est vraiment dommage parce que les TGV Réseau n'ont également pas du tout le même son que les TGV Duplex. Et également les TGV Atlantique n'ont pas le même son que les TGV Duplex. Voilà. Et donc ça ils n'ont pas du tout modifié le son de base. Donc ils ont je pense eu un petit peu la flemme hein, je pense que c'est ça. Ils ont juste eu envie de vendre le plus rapidement possible. Et donc justement ça amène à des problèmes comme ça. Donc c'est vraiment dommage parce que du coup j'ai pas envie de l'acheter tout simplement, parce que je pense qu'il y a des DLC bien meilleurs, notamment chez le site de Just Train, voilà, des choses comme ça. Sur iSim aussi vous pouvez retrouver du matériel bien meilleur que ça. Voilà, et ça donne pas envie d'acheter tout simplement s'il n'y a pas les bons sons qui sont avec le bon train. Je pense que ça le fait pas trop. Voilà. Donc là on va être limité à 130 bientôt. On a un collègue juste ici je crois. Voilà, donc là, ici, c'est la gare de Vénissieux. Voilà, donc plutôt pas mal faite, hein. Ici, hop, le collègue. Voilà. Alors, je pense que du coup, on peut intégrer le TER, AGC, voilà. Donc, il est disponible pour Train Simulator, c'est un mode. Également, je crois qu'il est payant, si je me trompe pas. Ou peut-être il est gratuit, mais il faut ajouter des DLC supplémentaires. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal, parce que du coup, vous pouvez faire quelques petits scénarios, pardon, aux alentours de Lyon. Ça je trouve ça vraiment pas mal. On va accélérer, hop, on est reparti. On va se mettre à, voilà, 88%, c'est pas mal. Voilà, voilà. Donc autrement la map vraiment vaut le coup. Je trouve que c'est plutôt un DLC qui est pas mauvais, notamment, bon, la ligne est plutôt bien modélisée. Après bon, par contre, oula,
Je le célèbre beaucoup trop vite, moi. Comme à chaque vidéo, je fais des excès de vitesse. Ça va pas du tout. Voilà. Je m'en rends même pas compte, à chaque fois, le TGV avance trop vite, voilà. Donc évidemment, je vous conseille d'acheter cette map, hein, si vous le souhaitez, parce que c'est vrai que la map Marseille-Avignon reste vraiment très pauvre. Niveau contenu, on a que 100 km, donc c'est pas énorme. Voilà. Donc là, directement, ça rajoute 200 km, pardon, à cette voie-là. Donc c'est vraiment intéressant, du coup. Par contre, c'est un petit peu cher, donc essayez d'attendre les promotions, s'il y en a, voilà. Donc on aura ici la gare de Saint-Priest. Saint-Priest, voilà, je sais pas trop comment ça se dit. Hop, on freine un petit peu. Voilà, voilà, donc... bon, c'est une découverte, évidemment, mais comme le jeu ne change pas, hein, je fais le scénario en même temps, parce que... c'est vrai que les changements sont vraiment très minimes. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que là, je me suis dit, comme ils vont ajouter la correction, par exemple, des couleurs de l'écran... bon, je me suis dit, quand même, dans le menu options, ils vont rajouter les paramètres, enfin, pour régler l'audio, hein, depuis le jeu. Je me suis dit, c'est quand même un petit peu logique. Eh bien, pas du tout, hein, ils ont pas voulu faire ça, hein, ils ont juste fait leur truc de couleur d'écran, et ils ont sorti le jeu, voilà, ils ont fait, hop, ça s'appelle Train Simulator 2020, et c'est terminé, voilà. C'est vrai que, bon, c'est dommage. Voilà, moi je pensais qu'aussi ils allaient améliorer un petit peu les graphismes, mais pas du tout, hein, donc je pense qu'ils ont complètement abandonné ce Train Simulator, c'est juste pour dire, oh là là, vous avez vu, il y a une nouvelle mise à jour, voilà, achetez le jeu, mais à part ça, voilà, il n'y a rien qui change, hein. Donc évidemment, je pense que si vous voulez des meilleurs graphismes, je vous conseille bien évidemment Train Sim World, voilà, qui est bien meilleur par rapport à ça. Par contre, le léger problème, c'est qu'il y a un manque de contenu. Voilà, donc ça, c'est vraiment dommage. Hop, on va rester à 160. Donc bientôt, on sera sur la ligne LGV. Donc voilà. Donc je sais pas si on fera tout dans cette vidéo, je pense que ça va être un petit peu trop long. Parce qu'on a quand même 100 km de voie à faire. Voilà. Hop. Je vais montrer les différentes vues. Voilà. C'est plutôt sympa. Donc également au niveau de la vue passager, comme vous pouvez le voir. Voilà. Plutôt sympathique. Bon, c'est toujours pareil, hein, ça n'a pas changé, évidemment. Mais quand on se met en vue passager, le paysage est plutôt joli également, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que je peux avoir une autre vue différente? Voilà. Alors, dommage que le klaxon du train est pas trop réussi, c'est un petit peu dommage. Voilà. Je crois qu'on aura un sectionnement si je me trompe pas. Ouais, donc on va enlever le pantographe. Parce que je crois qu'il faut couper le pantographe quand il y a un sectionnement comme ça. Voilà. Je crois que là il faisait passer en alternative, je sais pas trop. C'est vrai que je m'y connais pas tellement en signalisation de train, donc c'est. Faudrait que j'apprenne un petit peu plus que ça. Voilà. Donc là, pour relever le panto, je pense que. La rame est presque passée. Ouais, ça devrait être bon. Hop. On va le remettre. Voilà. Alors, il veut pas. Ah oui, d'accord, oui. Je pense que il faut vraiment passer en un. Voilà, comme ceci. Voilà, je pense que c'était ça. Ok. Donc là c'est plutôt assez réaliste parce que visiblement il faut quand même changer le courant. Ce qui n'était pas présent d'ailleurs sur la ligne Marseille-Avignon, fallait pas faire ça. Donc visiblement ça ajoute quand même un petit truc de réalisme en plus. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc s'ils ont réussi à intégrer ça, c'est très bien. Alors par contre dommage parce que je crois que normalement dans la vraie vie il faut juste couper le disjoncteur, un truc comme ça. Et là du coup on n'y a pas le set, donc c'est dommage, vous voyez on peut rien faire sur les disjoncteurs. Également, on peut rien faire sur la VACMA. Voilà. Alors, je crois qu'on peut quand même, par rapport à la VACMA, le faire au clavier, si je me trompe pas, mais je sais pas du tout c'est quelle touche faut actionner. Voilà.
Donc là je crois qu'on va passer sur une ligne LGV parce qu'on va passer à 220. Donc là, ouais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Hop, on va couper le pantographe. On va passer sur une ligne LGV. Donc voilà, donc vous voyez qu'au niveau des voies, c'est plutôt pas mal fait, hein. Voilà, c'est assez bien réalisé. Même la végétation, tout ça, bon. Voilà, ça reste des graphismes quand même de 2009. Mais c'est assez bien réalisé. Voilà. Alors pour ceux qui veulent vraiment du contenu français, je vous conseille ce jeu. Parce que ce sera beaucoup mieux que Train Sim World, où il n'y a pas beaucoup de contenu français, justement. Il n'y en a même aucun, je crois. Je crois qu'il n'y a même pas de mode disponible. Donc voilà, je vous parlerai de tout ça dans la prochaine vidéo de Train Sim World, voilà. Par contre, oui, j'ai actionné un petit peu trop vite parce que fallait que je passe en LGV, je fais n'importe quoi. Voilà. Je fais n'importe quoi, j'étais encore en alternatif ou comme ça. Hop. C'est parti. Faut se mettre à 220, voilà. Donc on y va à fond directement. Donc là, il reste encore 70 km, donc évidemment on fera pas tout hein, parce que ça va être... la vidéo va être beaucoup trop longue. Voilà, voilà. Donc évidemment, les amis, pour les prochaines vidéos, je vous ferai, je pense, du city car driving. Voilà, des choses comme ça avec le volant, parce que j'ai directement maintenant un Logitech G27. Voilà. Donc ce sera beaucoup plus plaisant pour jouer. Et donc, city car driving, justement, ça pourrait être sympa. Parce que je sais qu'il y en a qui me l'avaient demandé sur la chaîne. Voilà, voilà. Donc je vous ferai ce jeu. Et puis je vous ferai peut-être des jeux de course également, Project Cars par exemple, je verrai. Si j'ai le temps d'en faire, voilà. Également un petit dos au volant, je pense que ça sera beaucoup mieux. Voilà, voilà. Donc là, on est limité à 300 directement. Voilà. Donc là, du coup, c'est vraiment intéressant parce que là, on a quand même pas mal de kilomètres à faire. Si on fait vraiment Lyon-Pardieu jusqu'à Marseille, il y en a quand même pour un moment. Et donc, ça occupe quand même beaucoup plus que la ligne Marseille-Avignon toute seule. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Ah, donc on va faire attention de ne pas dépasser 300 km/h. Parce que là on n'est pas à 320. Hop, on freine un petit peu. Bon, on va pas freiner mais on va enlever l'accélérateur du moins. Hop, voilà. Pont plutôt sympa également, hop. Voilà, c'est plutôt pas mal fait quand même. Hein. C'est vrai que le jeu donne un peu, mais il est toujours aussi plaisant à jouer. Ça, c'est plutôt pas mal. Hop. Donc voilà, les amis, pour cette petite vidéo découverte sur ce jeu. Évidemment, je pense qu'il n'y aura pas plus de nouveautés que ça. Hein. Comme chaque année, il y a quelques petites fonctionnalités vraiment minimes qui sont ajoutées au jeu. Mais il n'y a pas vraiment de grandes nouveautés, hein. Vous n'allez jamais voir des nouveaux graphismes, etc. Même un nouveau menu. Même pourquoi pas une musique dans le menu du jeu, ça y aura jamais ça je pense, hein. Ce sera toujours pareil, comme chaque année. Mais voilà, comme d'habitude j'essaye de vous faire une petite vidéo découverte, surtout que je sais que pas mal d'entre vous me demandent d'en faire, et également que pas mal d'entre vous également aiment bien ce genre de vidéo. Voilà, peut-être détendre un petit peu comme ça, on fait un scénario et on fait une petite vidéo découverte sur ce jeu. Chaque année j'essaie d'en faire une comme d'habitude. Voilà, alors là c'est vrai que je suis un petit peu en retard parce que j'aurais dû la faire avant normalement. Parce que le jeu est quand même sorti, je crois, il y a un mois ou deux. Voilà. Donc je suis un petit peu en retard pour la faire. Mais c'est pas grave, on l'a fait quand même. Voilà. Et bien écoutez les amis, je pense que je vais vous laisser là pour cette petite vidéo de découverte sur Train Simulator 2020. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, donc la prochaine fois, je pense qu'on sera sur Train Sim World ou sur OMSI 2 parce qu'OMSI 2 on doit faire des scénarios également. Voilà, voilà. Et bien écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire à cette vidéo si vous l'avez aimé ou si vous avez des questions à me poser. Et puis voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Salut à tous.